à partir de crime ça qui fait sur président pays qui c'est président Jovenel Moïse conseil des monde qui pas jamais à l'aise dans pays encore conseil des monde peuple pas jamais bien dans yeux encore ça qui arrive au marché peuple pas fait rien mais des fêtes bien dans yeux jamais ou pas ouais gagne ti nom nan qui relait Chile Luido on la valas on est qui dans tête DCPJ qui te vole plus passer 400 000 dollars américains dans DCPJ vole parce que pas gagne la valas senti monde sale moun pourri sans goin senti fort sans bien senti bouc cabrit moun sale la valas senti fort est-ce que vous comprenez tendez bien gagne moun sale ça relé chez les Ludoa qui prend avion pour voyager et bien gon citoyen haïtien qui gagne testé qu'il en festé moi pour te croiser nèg ça pas faut me ta croiser non dans report bien que report côté qui sensible mais mon cher bouche moins bouche m'a sonné bien je m'a sonné bien m'a pas être beaux oreilles pas être beaux oreilles pas être beaux oreilles pour me dou ça m'a dou là et ma proposition ma bonne salutation bien douce tout d'abord après ça m'entraîne dans fraisi ou un petit volé un chien sale que se reprenne un assassin un méchant un monde sale nous prenons pays nous fait payer un sale même j'avais nous prenons pays nous fait payer un senti même j'avais nous sommes équipe pourriture complètement femme avec nèg qui dans média traditionnel depuis 20 ans 30 40 ans sont équipe monde senti que yoyé comme si ça yo leur passe côté c'est des pourriture que yoyé nous pas prendre pays qui propre sous régime bout du Jean-Claude Duvalier nous soi-disant vin avec démocratie nous mais Tahiti qu'on a un paquet de monde qui était victime sous régime Boudia je tiens là yo tellement ta envie dans pays yo yo grand pile c'est où on dit oui qui cause pas dit et faut que Jean-Claude Duvalier te rete mais sauf que faut système casé brisé a écrasé. Si c'est comportement ça que nek tan André Michel nek tan Evans Paul femme qui était dans micro te gagné dans date ça ton écrasé mieux te mérité bâton et ça m'a regardé là que ça va pour nous préparer assassin au président avec facilité comme ça et puis tout le président dans mitan boule figure tout le monde rien pas arrivé nous bon que Jean-Claude Delat veut casser c'est nous pirate toujours parce que nous pas jamais qu'à faire ça sous lui nous n'avons jamais fait ça sur Jean-Claude avec autant de facilité pour nous planifier assassiner le président d'un pays comme si nous avons tout pour Jean-Claude Patakone. Eh bien, mon cher, et ta pièce à cause nous n'avons jamais quitté Jovenel Moïse mettait à nier dans le pays. Parce que François Duvalier, tu as pris 20 personnes qui dans le village Petit Bois, il a dit regarder, descendre dans la rivière Grise Laveille, racheter depuis notre zone et revenir dans notre cheville. Et puis, foutre du vaisseau. Ou d'après tout, tu as foutu disparaître. Bonne monde sale. Alors, on est un coup. Juge Yves Caldabrésil. Ou t'avle moi-même comme président de la République, comme chef d'État, pour ne pas planifier coup d'État comme ça, et puis pour me faire vivre toujours, jamais. L'État doit créer. L'État là pour ça. Pour le fort par là. Parce qu'on crée conditions pour parler même. Ou son juge de la Cour de cassation, ou son pouvoir qui est indépendant, ou son juge qui a un gros pouvoir dans le pays. Et bien l'on impliqué dans le coup d'État pour assassiner le président, l'État a le contrôle, chef d'État doit passer l'ordre lui-même pour foutre exécuteur sur les champs. Et c'est ça qui est l'État. Dans tous les pays du monde, les gens ne peuvent pas échapper. Et c'est chaper, Jovenel Moïse qui est échappé, qui mène la bataille aujourd'hui. Sinon, par exemple, il n'y a pas de gagner. Si on va chercher justice, pas de gagner ça. On va chercher justice pour les gens qui mettent Dorval, Antoine Duclair. Peut-être que tu ne dois pas mourir. Oui. Si Jovenel Moïse est prêt à se habiter, vous pensez que Antoine Duclair va mourir? Il va mourir parce que qui s'est passé? Vous êtes des gars qui ont réfléchi avec tous les Jovenel Moïse devant Antoine Duclair jusqu'à ce que Mazé opposé avec assassinat. Et puis, vous avez assassiné l'un. Parce que yo vinn di par le fait que li opposé et ben les faits sont tout est lié. Si Jovenel Moïse te prend engagement le 7 février 2021, yo te fout exécuter tout moun sa yo sur les chefs et disparaître yo, sont dans des tout pas de problème ça. Communauté internationale t'a fait vraie coopération. Et t'a prend un chef d'état qui est ce qu'il en fait li, qui dit vérité, qui parle, qui passe à l'action. C'est parce que Jovenel Moïse pas passé à l'action, son 3 4 grain oligarque qui cause ou capable décider pour yo prendre 3 4 pour yo prendre 20 à 30 millions de dollars américains pour mettre dehors pour assassiner le président. Mais moi-même, comme chef d'État, je suis neke depuis que j'ai pété le coup de Dimitri Robla, je suis rassuré que je me lance dans une bête sauvage et puis je me râle et puis je me touffe. Je suis à tout, je ne suis pas là encore. L'État doit créer des conditions pour, comme si je disais, et maîtriser un terroriste. Dimitri Robla, son terroriste qui est lié, l'État doit créer des conditions pour Dimitri Robla, je ne te fais ça encore. C'est parce que Jovenel Moïse, c'est un président irresponsable. Il y en a qui pas de respect, comme si qui pas dans mes yeux pour le peuple là. Sécurité,
Ça veut dire que lui pas même te capable tête sécurité, mais justement il s'est pas capable de payer la sécurité. Est-ce qu'on comprend? Et ça c'est une vérité fondil. Fondil vérité là. Si président Jovenel Moïse t'es en mesure pour qu'il te baille pays la sécurité, ou pensez que il t'a pas battu jeudi là jamais. C'est parce que Jovenel Moïse aïe 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 monsieur. Tout ça m'a dit comme si m'bra résumer là avec monsieur pas de monde. Mais ouais Jovenel Moïse pas rentré dans le nord. Ouais Jovenel Moïse pas rentré dans tout du nord. Comme si pas j'aime que jeune garçon t'élevé. Ou pas des haïtiens ou bien dans diaspora. Ou pas des haïtiens comme si ou pas cap fouiller mon argent l'état. Quoi faire l'état save pour prendre 3 4 millions de dollars américains pour combattre sécurité. On veneg. Aristide de faire ou te ouais bon next bien la tête quatre Aristide. Et ça Aristide de faire oui. Il va quatre Aristide. On va faire toute qualité pour caser brisé, on va faire 4 ici. Aristide assurer sécurité. Je sais que Jovenel Moïse pas de faire pour quitter sécurité dans mes matériel pendant que on organise pour marier on c'est des monde beaucoup de matériel. J'étais là bêtisé mon cher. J'étais là bêtisé. Et c'est ça oui. Moi même honnêtement pour ça seulement on fait comme ouais. Pour là comme si m'a dit mon local candidat, m'dit non mon cher, comportez mon game pas ca voter non. Supporte mon pito. Parce qu'on n'est pas responsable, on est trop cause. Cœur sensible, chef d'État, pas qu'on est cœur sensible. Citoyen qui a cœur sensible, mais chef d'État, pas capable de cœur sensible. Même pour poser dans ça comme témoin. Jovenel Moïse qui doit tourner l'élection. Avant que nous t'a dit Jovenel Moïse, je suis supporté là. Faut me d'achit avant, oui. Faut me d'achit avant, mal analyser le comportement que tu as gagné comme citoyen avant ça, et comme chef d'État, et comportement que tu as gagné après 5 ans, l'homme président encore, et l'homme porte-candidat. Ou de comme si, bref, je me suis dit que comme si Sylvain mourit après 5 ans, moi je suis président de sa table là pour le moment. Après 5 ans, je suis candidat. Ou dit que mon cher, il faut d'abord un coup de main dans le projet ou présenter le projet. Avant que malheureux projet, je vais chercher le comportement que tu as gagné comme citoyen avant ça. Et puis, le comportement que tu as gagné en campagne, pendant que tu as fait campagne présidentielle pour l'élection. Et puis, le comportement que tu as gagné pendant le chef d'État. Je vais analyser tout le comportement ça yo, et puis je vais attendre pour le finaliser ou même qui vient de me demander de supporter dans la deuxième élection. Je vais avec moi qui doit avancer seulement et puis je vais tout doux président Pape Jean qui supporter parce qu'on a une dimension pour chef d'État dans le pays d'Haïti, dans pays qui est la corruption, ton gangrène, ton cancer, à déchapiller. Les gens qui sont chef d'État dans le pays, sont les qui sont sans sentiment, sont les qui ne pas perdre du pouvoir, sont les qui ne pas perdre mourir, sont les qui ne pas perdre prison, l'aile qui le pouvoir. Parce que l'État doit organiser pour éradiquer des crimes qui ont fait dans le pays. C'est des gens qui ont fait des crimes dans le pays. Et c'est ça qui est l'État. Tout autant qu'on parle mesure pour qu'on fait ça en tant qu'homme d'État, mais de fait, je me garantis, on ne peut jamais dire que pays. L'on pays, un groupe n'est pas mettre un goutte de yon. Regardez bien. Comment on est capable de comprendre nos pays? Un groupe n'est pas mettre un dollar de yon. L'État juste commande gaz avec Kobli. Gaz n'est qui rentre dans le pays. Et puis, groupe n'est qui prend gaz là. Il dit l'État nous distribue. Son endroit où il fait un dollar sous chaque gallon. Pendant que l'État a tout matériel solide, il a tout comme si il a des ressources humaines pour faire toute distribution de gaz. Ce qui est que l'État a pris le gaz là, il dit l'État n'a pas distribué pour vous. Distribution ça seulement, il coûte l'État $1 américain par gallon. L'État a gagné 42 millions de gallons de gaz pour distribuer dans le pays. Ça veut dire que tout d'un coup, il a fait 42 millions de dollars américains sans que vous mettez un coup de dehors, sauf que l'État va distribuer pour vous. Comment on est capable de comprendre nos pays comme ça pour décider de mettre la paix, pour décider de gérer, mettre le principe dans ça, ou couper ça comme intérêt, et pour penser que c'est Matéli qui peut continuer à bonne sécurité? Non, ou c'est ton sacrifié pour la République de Dieu? Je ne peux pas me suspendre ça. Ou c'est ton sacrifié pour la République? Parce que par contre, le peuple sur la tête qui respecte tête qui a une dimension, comme si Mladio, qui est responsable, qui a accepté comme ça avec un tel comportement. C'est ça, voilà. Et mais je me dis, non, tu as pris une préparation qui t'est faite. Et normalement, dans le pays, pour te arriver à aboutir avec l'assassinat président Jovenel Moïse. Après l'assassinat, nous avons tout le monde campé à cacher ce cadavre là. Je dis pour qu'ils soient honte, qu'ils soient frustrés, qu'ils soient crié, l'or et peuple à tout après tout cracher, après cracher sous mon souk sous la montre. En laissant bouder, on dit oui, des bons on a parlé de tel, ni c'est gang, ni c'est volé, non, pas volé. Mais là, nous avons fait tout le président de continuer à japper cracher sous cadavre président. Ça te foutu lui-même. On fout salope. Vous avez la vie éternelle? Et Washington est venu faire sur la terre. Il fait Washington. Il fait Washington. Fait Washington. Ok? Fait Washington. Et puis, il y a. Fait Washington. Fait Washington. Un gang. Un méchant côté noué. Un méchant, un assassin. Et puis, il y a deux comme ça. Et voilà.
l'autre dossier qui est en actualité, que nous parlons avancer de plusieurs autres bagages toujours, c'est ça qui est pour avec arrestation d'un jeune artiste haïtien. N'a pas permettre moins et faire point ça pendant 1 minute ou bien 2 minutes. Un jeune artiste haïtien qui a gagné environ 5 autres jeunes ensemble avec elle, pendant que tu as shooté une vidéo dans la zone en bas de la ville. La police a arrêté monsieur. Il y a un policier qui était dans le backup là qui dénonçait l'arrestation. Ça. Il dit monsieur, pile courage. Moun ça va pas facile. Et m'a demandé tout jeune artiste qui dans secteur artistique ou bien mouvement qui relé et drill. M'a demandé pour mettre tête ensemble pour défendre Bourg de la Talaï. Parce que son méchanceté. Son méchanceté ça va pas de continuer dans la société. Si son mal qui décide de faire jeune ça yo. Et bien c'est mon Dieu qui fait nous patrouiller yo, c'est parce qu'il y a trois monde là qui fait nous patrouiller et tout en patrouiller yo. Si tu monsieur ça t'es dans gang. Peuple t'a gété Mario déjà. Alors nous Mario sous prétexte que au guide des monde dans population qui dit monsieur ça aussi mamba, c'est membre actif gang 5 secondes, nous méchants. Nous méchants pile et des CPJ qui prend nèg qui dans des CPJ qui prend photo de monsieur ça qui publie là, m'a dou frère de clé compte, vous c'est un plus gros vol dans pays là. Vous savez, on a pris un vol pour participer dans l'association malfaiteur pour tout le président Jovenel Moïse pas moun. Son vol et son chien ou ou pas qu'à foutre dans la tête de CPJ. On moun sale. On a foutre sale de CPJ. On sangue côté nous. On a où ça? On a volé. Ça, j'ai un petit bourg fait. Un petit bourg gavot. Un petit bourg qui est 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 un cochon bourg qui est un petit bourg qui est un petit bourg qui est un petit bourg qui est un agent de CPJ. Policiers qui sont dans la police d'Haïti, ça n'est pas dans le kidnapping. Yo. Parce qu'il y a un pile policier qui est dans le volant avec France LB comme déjà la police, comme gang. Il y a un pile policier qui est dans le réseau volant, que Frédéric Lecomte a dirigé, qui a tué Jovenel Moïse, un assassin. Et pour nous foutre la Tibourg de la Talaï. Tibourg de la Talaï n'a pas fait un petit volet, un petit chien dans la police, un petit sangouin, un petit volet. On peut mettre autant de jeunes garçons qui sont policiers qui t'a dénoncé l'arrestation qui fait et avant que me fasse autant de heureusement gens. C'est désrespectueux. Faut me parler avec chien sale ça yo. OK? T'as des jeunes garçons ça, on y a un policier qui prend courage à débrouer qui cap dénoncer et alors cap décrit scène et arrestation. Attendez ça. Commandant. Ah. Non, gars sont capolé, désolé, on pas capable bailler. Mon qui voit son hein. J'espère quoi un jour pour un plus bon son. Et nous, sauf que nous parlons pour Tibourik. Et Tibourik, même moi, Tibourik là. Et bien, Tibourik là, Tibourik, on boutit haïtien. On m'a dit, on a dit, 2000. Cap fait musique. Il dit, il coupe coupe là, pour la baissan, pour la valet coq là valet pour la blablabla. Il fait musique. Ça seulement nous, qui avons dit, dans la gang, ils ont. Mais ils ont en bas, pour qui ça ne va pas le prendre. Un policier volant lâche. Et nous, c'est allié, ils ont nous et tout. On dit, sang, ouais, ben, petit volet. Donc, il faut les arrêter, gang. Mais ils ont dans le village là, oui. Il va falloir le prendre, ben, petit volet. Dans pour il toujours une force sous un ennemi. Heureusement, Jean peut pas ici faire de gros déclarations. Heureusement, Jean prend des engagements tête chargée dans le dernier temps. Là, c'est. Il est clair, oui. Même Jean ouais, capitaine Ibrahim Traoré Fell, dans le sommet Russie-Afrique, côté que monsieur tremble le monde, l'Occident sentit que mon type qui a émergé là, qui a dérangé, c'est la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Eh bien, nous-mêmes, comme haïtiens, nous avons dit la sécurité ou la mort. Sécurité ou la mort. Depuis que nous avons une sécurité, nous devons mourir. Nous ne pouvons pas vivre dans ça encore. Heureusement, j'ai l'appareil. Quand vous avez 200, 300, 2000, quand vous avez un village de Dieu, il faut rétablir l'État dans le village de Dieu. L'autorité de l'État. Ça, ça coûte, il faut que l'État entre étincelle pour rétablir la paix. Il faut que reste monde qui matissant, qui a passé de la locale. Il faut que la paix, il faut que l'axe route ça rouvre. Il n'y a pas besoin de conséquences là bien. Mais c'est l'État, monsieur, dame. Il n'y a pas besoin de connaître, c'est moi qui ai trouvé sur le canal. C'est frère, c'est simple. Vous avez des âmes dans le monde. Vous refusez de déposer des âmes. Vous avez des âmes dans les âmes. Vous pouvez des âmes. Vous faut choisir des âmes. Et vous faut mettre des âmes pour rétablir la paix pour les gens capables. Ou bien vous-même vous décidez, ou déposer les âmes, ou entrer dans le programme réinsertion. Mais quand c'est l'État, vous pouvez même, malheureusement, pas militaire. Si vous avez des âmes, vous avez des âmes.
formons tout 500 nègres et puis mon mandat pour nous rentrer pour moi, pour nous battre avec l'ordre, pour machine d'adine, pour bandit d'adine, machine pas qui va passer au Canada. Non, machine a passé parce que au Canada, on j'en pour mener opération là-dedans. Où est la police n'est pas sur route 9 là, il fait des trois coups de balle. Nous disons non, c'est pas quoi ça pour nous faire. Si nous-mêmes nous permettons, nous avons des agents de ça, il a préparé, qui a déjà monté dans le monde, qui a passé parmi les balais. Ouais, nous avons passé parmi les balais, et puis nous avons barré sous tête maintenant. Et puis la police va passer sur route nationale, et puis là la police commence à faire, ils ont même ça fait, ils ont monté le monde. Là, ils ont monté dans le monde, ils sous tête maintenant. Nous refoulons les descendre, comme ça nous fait un an, deux ans, nous allons mettre la paix. La torselle, l'autre prend. Cartographie, torselle, des quatre entrées. Depuis l'arme de la police rentre dans quatre entrées, il ferme, pas de sous-sortie encore. A faute de non, tout puissant. Non, son menti à Banou. C'est pour Ariel Henry qui travaille. Arme grand, arme, c'est pour pas d'élection. C'est André Michel, tout qui met ensemble pour pas la paix, pour pas de stabilité, et puis il y a un discours élection. Mais vous connaissez très bien le pape de l'élection, vous connaissez très bien le pape de la paix, mais vous avez là, comme projet à son projet pour venir avec Blanc, vous avez tout le monde de parler de Kenya. Non! Et là, nous avons là, ça fait. Et les militaires là, est-ce que nous essayons? Est-ce que nous essayons tout ça, la police? Imaginez-nous, les gens ne disent pas des armes. Vous ne pouvez pas être des armes dans le DCPJ, pas vrai? Nous dépôts dans le DCPJ. Pourquoi ambassade Pablo, ambassade américaine va nous servir avec nous? Bon. Ambassade américaine, vous voyez, vous d'accord, vous voyez, vous venez tout la population. Hein? La police a arrêté, vous saisi les amis, et puis ça, ça je dis, l'armée pas qu'à servir avec nous pour rétablir la paix dans notre pays. Et bien, c'est dame finaliste. Parce que c'est blond, qui arrive sur vous, ça va gâteau. Parce que c'est où les pauvres qui ont kidnappé, c'est Blondine qui ont kidnappé, c'est docteur Jean-Pierre, c'est ceci qui ont kidnappé. Non. Les différents pour côté, sous pas tuer différents, la boule est tout côté. Nous n'avons pas décidé pour mettre un gang, gagnant pour tuer, marcher sur Pifon, vu là. Je tiens à nous demander publiquement que l'armée d'Haïti, je nous entends avec CSPN, CSPN prend à un dépôt, compte des armes qui viennent dans ce pays, à toute ministre qui vient, ben l'armée, et puis pour nous y aller, ben l'armée deux à trois mois. Si l'armée n'est pas arrivée, rétablie la paix, sécurité dans le pays, à partir de là, on a fait promotion pour force étrangère. Nous finissons là pour nous dire, il faut nous combattre la Cap-Vinien, parce que force Cap-Vinien, qui pape sous l'obédience des Nations Unies, c'est crime la plus femme dans le pays et qui est capable de plus mal que ça. Ça veut dire, rendez-vous à casser, 7 août, devant l'ambassade Canada, soudainement, pour nous continuer signifier le corps groupe qui est plan pour organiser. Génocide dans le pays, en Haïti, est inacceptable et de fait, nous continuons à dénoncer. Si demain matin, il y a une opération, 500, 700 hommes, une squad débarqué dans le quartier vite l'homme, ce n'est pas 10 policiers, ce n'est pas 5 policiers, ce n'est pas 15 policiers sous des types blindés. N'importe opération qui a 200 à 300 hommes armés de Galil, de haches, de manchettes, des marteaux, des mirins, des lances à gaz, des grenades à fragmentation, mener opération village de soit village de Dieu ou bien d'Orsel, je nous garantis, monsieur, il y a sorti avec, soit il y a sorti avec vite l'homme vivant ou bien arrêté. Pourquoi j'aime aucune opération que la police, l'armée, mettez ensemble pour te montrer que yo de bonne foi. Comment pour une institution, yo refuse d'utiliser ces institutions, yo refuse par institution les moyens pour yo agir, et puis tout le monde à travers les médias, radio, opinion, salon, l'État, yo tout a dit la police pas capable, l'armée pas capable, faut que c'est étranger qui vient là. De ta comprendre, si les militaires ont essayé dans l'opération, ou bal toute l'attitude possible, ou bal moyen, ou pour police à même gens, ou équiper avec ensemble de sales besoins, qu'on y a ou mette dans l'opération, qu'on y a ou malgré ça pas de résultat, de ta comprendre, qu'on y a ou m'a cherché l'autre alternative de renfort. Alternative m'a pour me chercher, que pas alternative pour me retirer.
pour gazer ça comme institution, mais c'est des alternatives pour venir renforcer ça comme institution. Monsieur, dames, gardez-nous. Ça, Ariel Henry fait avec le ministre de la Défense. Et nous mettons en enquête pour nous, ça m'a dit nous. Mais bon, tu es tendu, c'est bon, il faut lui parler. Gagner, monsieur militaire, les anciens militaires, qui formaient pour ça, qui prennent formation, ce n'est pas l'État ici qui formé. C'est les gens qui prennent formation en Israël et pour caserne de Saline qui a fonctionné. Quand ils prennent formation dans ça, ils ont des guerriers humains. Ça veut dire, soit vous évitez l'homme à faire là, c'est rallié. Soit ils ont fait là, c'est rallié. Tendez bien. C'est pour nous prendre formation. Ça veut dire, moi-même, quand je parle avec nous là, si l'État, demain matin, dit l'a engagé seulement 300 militaires, anciens militaires, pour le village de Dieu, on va nous 3 à 4 semaines pas guérir au village de Dieu. Si l'État, si Ariel Henry, avec Enol Bito, c'est pas Yop de chef gang, parce que Enol Joseph Bito, qui est tête ministère de la Défense, tout le monde connaît son ancien chemin à Valas. Tout le monde connaît son nek tege problème à l'armée. Son nek que l'armée calé. Si l'armée calé, comment Kavin Metel, je dis à ministre de force armée. Quand y a une gauche entre lui-même et les anciens militaires qui étaient dans l'ancienne armée. Pas sous base règlement de compte. Monsieur refuse nek sa yo, engager nos batailles pour mettre la paix dans le pays. Quand y a pour chercher Kenya, y a parlé de toute langue avec unique objectif. Nous avons des problèmes avec la maison, nous ne pouvons pas quitter l'alphabet là et puis pour venir de l'autre nous. Mais c'est ça qui est là. Quand il y a qui ça et l'orbite entend avec Ariel Henry et l'ambassade américaine, ils ont fait un recensement pour recenser tout ancien militaire. Puis ils ont fait l'autre, puis ils ont fait une pension. En comprenant qu'ils ne peuvent pas travailler, toute pension. Il a fait 2 mois de période après 2 mois, il a coupé chèque. Et puis, il y a un reste de policiers, un reste militaire, jeune qui fait que ce dans l'Équateur, il y a un formé, il y a une gendarmerie avec. Ça veut dire que c'est classé la médaille. La médaille dit jeudi à classe. Moi, pour qu'un militaire qui n'a pas d'Ariel, comment pour un militaire, ou n'a pas d'Ariel, ou n'a pas de ministre de défense, ou n'a pas de ministre intérieur, ou n'a pas de ceci, ou n'a pas de cela, alors qu'on constate qu'il y a fait complot contre tout. Vous parlez vous matons marinéco, vous mettez au bout de nous vite chercher, mais quand vous mettez au bout. Pourtant, dans toute rencontre, Ariel Pralé, c'est militaire là avec lui qui a sécurisé. Alors que dans toute rencontre, c'est des rencontres contre l'armée, contre militaire. Et qui m'a dit dans l'eau, militaire. Comment militaire, comment moi-même, comme citoyen, pour m'accepter. Je vais chercher une force d'occupation. Attendez, force qui a fini là. Je vais appeler l'ol. En plus, je vais battre bravo. Il y a tant de blancs, il y a tant de Kenyans, il y a tant de. Comment dire, je vais venir. Oh, il y a une case de gangoun. Je vais venir case de gangoun. Parce que projet blanc, ce n'est pas case de gang. Projet blanc, regardez sous page, nek qui représente le secrétaire général OEA. Algade, ça l'écrit nos notes, ça l'écrit nos communiqués. Projet, n'est-ce pas, puissance, c'est jouer nos côtés, c'est jouer ensemble des pays, puis évacuer Haïtiens sous sol ça. Retirer Haïtiens là, voyez-nous l'autre côté, dispatchez-nous l'autre côté, et puis on prend zone pour industrialisation, puis on vient faire industriel. Je dis Haïti, son zone, et on décrète zone d'être. Comment dire, industrialisation. Ils ont industrialiser la zone. C'est l'industrie qui a pu mettre dans toute zone Haïti. Parce que par rapport à sa pays, ils ont décidé de zone ça, c'est zone réserve. Les États-Unis décident Haïti, c'est réserve. D'abord, continuer à fixer position nous sur la situation. Et moi-même, position, heureusement, j'aime partager. Et c'est soit ne pas sématissant. Ou bien nous pas exister dans le pays. Je partage. C'est presque le même discours avec l'Africain, Ibrahim Traoré, devant le président Poutine.
Pardon, je suis désolé. Et c'est soit nous vivre libre ou bien nous pas exister. C'est soit nous qu'on nous jeune la peine dans le pays ou bien nous pas exister dans le pays. Parce que pas un peuple qui respecte tête li cap jamais accepter pour vivre dans conditions pareilles. Pas un peuple qui remet tête li cap jamais accepter pour vivre dans conditions pareilles. Jamais. Sous quelque soit forme ça pas exister. En quelque soit pays sous la terre ça pas exister. Nous pas accepter pour un petit clan nèg ou un petit groupe nèg décider comme si des propres pour c'est eux décider les pour touyer, c'est eux décider les pour pas touyer, les pour kidnapper, les pour violer, pas que personne cap dire me dit rien. Et pour pas que la police a arrêté ces jeunes garçons, malheureusement qui pas dans gang, a arrêté ou maltraité yo. C'est pas méchant nous, nous méchants. Nous méchants et nous pas sérieux. Méchants nous pas sérieux du tout. Voilà. Peuple haïtien, on nous font coup de pied dans le pays la France. Gagner un pile français qui gon position qui claire. Ça m'a dit oui. Là où par exemple il y a des dirigeants américains qui gagnent des blousages qui a fait des deux ans qui a fait dans le pays d'Haïti. Ou pas qu'a dit peuple américain qui bon la vote, non. Il y a des français qui bon monde. Et après sorti président de la transition qui c'est Ibrahim Traoré dans le pays Burkina Faso. Après sorti dans gros sommet ça qui s'est réalisé dans le pays là, dans pays la Russie côté qui a plus passé 40 chefs d'état, pour me dire 49 chefs d'état. Sur 55 chefs d'État africains, il y a 49 qui étaient là. Ça veut dire que c'est un sommet qui réussit. Un sommet à succès. Et pendant ce sommet, Ibrahim Traoré, pendant environ 6 à 7 minutes, puis se font une déclaration qui tremblait le monde, qui dérangeait le monde entier. Et que l'Afrique en général dit qu'il y a une réincarnation qui fait là son Thomas Ankara en 2023. Les Français qui justement c'est des Français juste Français 100% 100% coton, Jean-Bob c'est que t'as dit 100% coton yo. Dans pays la France, yo pour vous c'est qui clair. Yo dit mais depuis date yo connait yo existé, la France toujours abdominé l'Afrique. Gardé tant un pays et puis nous toujours là. Yo dit jodi et pour nous quitter mon yo gérer pays yo pour nous qui ça qui ou ta favelle. Nous t'a d'offre français qui parle. Et moi même je dis là, m'pas venir pour la paix même et me dit nous ça intéressant et aidez-moi aider me gérer ça, aider me jeune bonne information sur ça qui passe dans pays en Afrique parce que je dis même sur 10 minutes, même sur 15 minutes, m'a toujours fait effort pour me bailler dans l'émission parce que les nous même noirs et puis les noirs surtout pour peuple africain, le peuple africain à bataille et m'a dit nous l'Afrique en guerre. L'Afrique justement là, alors même gens que ou Macron avec équipe décidé pour déclarer la guerre avec l'armée nigérienne, Nigerland, eh bien, ouais, il y a 4 pays africains qui décident de mettre tout ensemble pour lancer un ultimatum. Ça veut dire que l'Afrique, justement, paraît pour la guerre. Est-ce que l'Occident va décider de battre ensemble en face et l'Afrique? Ça, je ne connais pas, sauf que je connais monsieur déjà gagné Poutine comme allié. Bataille n'est pas facile. Bataille tête chargée. Et Wagner va envahir l'Afrique la net. Wagner va envahir l'Afrique la net. Ouais, Vladimir Prigojine. C'est bon break, mais c'est pas le tourner de l'Afrique la net. Mais c'est pas le fin avec ces théories sur le pays l'Afrique. Comme nous n'avons pas 15 nègres comme ça là pour une. Ils ont dit là pour une révolution. En entendant, un jeune français qui a parlé, qui a dit vérité à Jean-Lié. En entendant, il n'y a pas ici. La guerre est déclarée. Emmanuel Macron qui monte au créneau. Coup d'État au Niger par des militaires. Oui, pas par n'importe qui, par des militaires. Emmanuel Macron vient d'annoncer que s'il fallait faire une intervention armée, il la ferait. Attends. Tu veux faire une intervention par des militaires pour attaquer des militaires, toi. D'accord. De gros intérêts là-dedans. Des gens me diront au livre, ça ne nous regarde pas ce qui se passe en Afrique, c'est pas notre problème. Si, c'est notre problème. C'est notre problème. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, en fait, à travers tout ça, et on va encore en manger les conséquences, nous. C'est pas la faute des Africains. Hein. Parce que les Africains, on va se dire la vérité, les amis. On arrête de se mentir. Des années et des années qu'on les dépouille. Pas nous, mais nos dirigeants. Nos dirigeants dépouillent l'Afrique depuis des années et des années. Bonsoir à tous les amis. Désolé, je vous ai pas dit bonsoir. Allez, merci bien pour tous les gens qui partagent ce live, puisque ils essayent de bloquer les choses comme d'habitude. Il faut pas parler des sujets qui fâchent. Vous savez, c'est quand même bizarre que le pays qui a le plus de ressources naturelles soit un des pays les plus pauvres. Enfin, ça choque personne. Un des pays qui a les plus de ressources naturelles et un des pays les plus pauvres. Parce que la France, mais pas que la France, les dirigeants français et d'autres dirigeants les dépouillent. Et on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent évoluer correctement.
quand j'entends, on peut parler aussi d'immigration, quand j'entends dire, ah ouais, mais tous les Africains, ils arrivent chez nous, bah, c'est un petit peu normal, en fait. C'est pas de leur faute à eux. On a repris tout ce qu'ils avaient, et en fait, on fait rien pour qu'ils puissent se développer, ces gens-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Pourquoi Emmanuel Macron se gratte la tête? On va pas parler du gaz, on va pas parler du pétrole. Pourtant, on en prend beaucoup à l'Afrique. On va parler de l'uranium. L'uranium. Aujourd'hui, à peu près entre 35 et 40% d'uranium qui fait tourner nos centrales nucléaires chez nous, bah, sont pris à l'Afrique. Sont pris en Afrique. Voilà pourquoi Macron monte au créneau. Allez bien, oui. Vous êtes où? Majorité, comme si m'a dit ça, qui est pour avec. Alors, matériel ou du moins ça que vous prenez comme ressource et pour vous mettre centrale nucléaire yo, et dans le pays la France, son français qui a parlé, c'est la France qui a volé. C'est désolé, c'est l'Afrique, en Afrique la France volé. Yo. Je dis en vérité à parler, c'est des monde même avec tout le monde qui est. Mais de fait, ce n'est pas parce que les Français qui causent la vérité. C'est lié juste, la France ou développée. Mais quitter le continent africain, lui même voler des propres ailes pour collaborer avec les gens qui ont aidé. Après, ils sont tournés dans le pays. Là aussi, là, il y a une enveloppe de 23 milliards de dollars américains. Et pas juste payer 23 milliards de dollars américains qui vont débarquer dans le continent africain. Ça veut dire quelque chose. Hein, 23 milliards de dollars. Voilà, 23 milliards de dollars américains débarquent dans l'espace. La petite trace. Même si on a un gars qui t'a fait là de la petite trace quand même. 23 milliards, et pas petit chiffre petit. Et au dit Poutine, même il ne pas promettre pour le babay. La babay concrètement. T'entendez? Que le pays qui a le plus de ressources naturelles soit un des pays les plus pauvres. Enfin, ça, ça. Pays qui a plus de ressources naturelles, là, c'est les mêmes qui sont plus pauvres. Même Jean, ou t'es ouais. Et jeune Ibrahim Traoré, t'es dit là, dans Soméa. Eh bien, c'est l'Afrique, un continent qui est plus riche dans le monde là, en matière de ressources, eh bien, où est-ce que c'est le continent qui est peuplé qui est plus pauvre sur la planète là? Eh bien, ça a dérangé la génération, je suis capable de dire, et Traoré, hein? Et il a dérangé en pile l'autre monde, parce qu'il a un pile problème. On continue dans des déclarations, hein? Et puis par la suite, on va dire, t'as une technique de nous, nous pas français. Personne, un des pays qui a les plus de ressources naturelles et un des pays les plus pauvres. Parce que la France, mais pas que la France, les dirigeants français et d'autres dirigeants les dépouillent. Et on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent évoluer correctement. Quand j'entends, on peut parler aussi d'immigration, quand j'entends dire « Ah ouais, mais tous les Africains, ils arrivent chez nous bah, !» c'est un petit peu normal, en fait. C'est pas de leur faute à eux. On a repris tout ce qu'ils avaient, et en fait, on fait rien pour qu'ils puissent se développer, ces gens-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Pourquoi Emmanuel Macron se gratte la tête? On va pas parler du gaz, on va pas parler du pétrole. Pourtant, on en prend beaucoup à l'Afrique. On va parler de l'uranium. L'uranium. Aujourd'hui, à peu près entre 35 et 40% d'uranium qui fait tourner nos centrales nucléaires chez nous, bah, sont pris à l'Afrique. Sont pris en Afrique. Voilà pourquoi Macron monte au créneau. Il flippe. Ça veut dire, ouais, majorité uranium qui fait la France monter centrale nucléaire, c'est la France, c'est en Afrique qui vole dans le continent africain. Mais c'est ça, oui, faut dire là, oui. L'un pays a qu'un bon instabilité, c'est ressources qui l'a botté la caillou. Et c'est ça, Mabdjou. Ouais, problème pays d'Haïti, moi-même, je dis, nous faisons en haut, en bas. Ça qui passe en Haïti, il faut nous veiller. Pendant que l'Afrique n'a pas une stabilité, grand goût, comme si c'est manger, on a cherché tout de la journée. Théorie s'en va, ils ont. Et puis la France, lui-même, c'est ressources qui la beauté. La beauté. Puis que c'est pas le cinquième pays qui a plus gros réserve dans le monde. C'est la chance. Pendant ce temps, lui-même, il va gagner la crise. Entendez? Complet. Je vous le dis sincèrement, ils flippent complet. Vous savez pourquoi tous ces pays-là sont en train de monter au créneau contre l'Afrique? Ils ont tous très très peur. Ils ont mis les pieds dans le plat à travers une guerre. Une guerre, ça n'a rien à voir. Mais si tout ça, ça a à voir avec l'Ukraine et la Russie. À cause de tout ça, on a pris d'énormes sanctions. Énormes. C'est incroyable. La preuve, allez voir le prix du gasoil. D'ailleurs, le gasoil qui est en train de monter. Il est en train de repartir en flèche. À partir de demain, quand vous allez allumer la lumière chez vous, ça sera 10% plus cher. Et vous le savez, les amis. Ça, vous le savez, à cause de toutes ces sanctions. Mais on misait un petit peu sur les pays africains, puisqu'on les dépouille. Bah, ils voulaient les dépouiller encore plus. Mais là, ils sont en train de dire stop. Parce qu'il y a entre ce qui se passe au Niger, mais en fait, c'est toute l'Afrique qu'on a marre. Toute l'Afrique, alors, ils ont un mauvais regard sur les Français, bah oui, parce que eux, pour eux, c'est la France qui les dépouille. Mais il faut qu'ils comprennent. D'ailleurs, il faut leur adresser ce message aux Africains. Nous, on n'y est pour rien.
On n'y est pour rien. La preuve, on dénonce les choses. Merci pour tous vos partages, parce que ça a du mal à partager ce soir, et puis le live était beaucoup bloqué. Nous, on n'y est absolument pour rien, c'est nos dirigeants. C'est pour ça qu'il faut le crier haut et fort. C'est pour ça qu'il faut partager un petit peu les choses, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe aussi là-bas. Et puis là, coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Alors qu'on a expliqué à tout le monde, mes amis, que Poutine était détesté de tout le monde, de tout le monde. Il y a eu ce sommet en Afrique avec 49 dirigeants africains sur 55 qui étaient présents, et puis des accords sont en train d'être passés. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Je voudrais déjà vous faire voir une vidéo que je trouve très représentative par rapport à ce qu'on est en train de dire, qu'ils sont complètement dépouillés. L'exonération fiscale représente à peu près 22 à 30 millions d'euros par an. Que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers. C'est quand même vachement représentatif. Je vais revenir sur les sanctions. À travers tout ce qui s'est passé, à force de taper sur la gueule de Poutine, qu'on le veuille ou non. Je dis pas que c'est un homme exemplaire, Poutine ne sait pas ce que je suis en train de dire. Mais on avait Bruno Le Maire qui nous expliquait, nous allons assécher économiquement la Russie. La Russie est en train d'assécher économiquement l'Europe. Voilà ce qui est en train de se passer. Et qui en paye les conséquences, c'est encore nous. Ils viennent de couper le contrat de céréales, exportation de céréales, avec l'Europe. Du coup, Poutine, bah, il a trop de céréales. Bah, vous savez ce qu'il a décidé? D'offrir des milliards de tonnes à l'Afrique. Des milliards de tonnes de céréales à l'Afrique. Voilà en fait les sanctions à quoi ils servent. Poutine en a strictement rien à foutre des sanctions qui sont données. Poutine, l'économie de la Russie ne s'est jamais aussi bien portée pendant que nous, on est en train de s'écrouler à cause de nos dirigeants. C'est pour ça que je répète haut et fort qu'il faut clamer stop à toutes ces sanctions. Et puis, tout ce qu'ils sont en train de faire indirectement aux aides apportées à l'Ukraine. Attention, ce n'est pas des aides pour la paix qu'ils apportent à l'Ukraine, c'est des aides pour la guerre. Je vais vous dire quelque chose. En fait, tout le monde est en train de réaliser quelque chose de très simple. Poutine, il marche pas dans le petit jeu qu'ils voulaient avec leur nouvel ordre mondial. La vérité, elle est là. Et c'est pas complotiste de dire ça, mes amis. Il était contre cette nouvel ordre mondial. Il marchait pas là-dedans. Donc l'Europe et les États-Unis ont décidé, ils auraient tellement aimé pouvoir affaiblir la Russie. Eh bien, ça ne marche absolument pas. Vous savez ce qu'il est en train de faire, Poutine? Il est en train de rassembler des pays, plein de pays avec la Russie, et ils vont être bien plus forts que l'Europe. Et c'est eux qui vont finir par nous écraser à cause des décisions, encore une fois, des gens qui nous dirigent. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qui est en train de se passer. Poutine a été encore plus loin. Il vient de dire, nous allons offrir, j'ai bien dit offrir, 20 milliards. 20 milliards aux pays les plus pauvres d'Afrique. Vous savez, nous, pas quand je dis nous, c'est pas nous, mais c'est quand même la France, qu'on le veuille ou non. C'est un petit, indirectement de notre faute, parce que si ce mec-là, il est encore sur son trône, c'est encore un petit peu à cause de nous. Il faut savoir accepter les choses. Eh bien, nous, on n'offre rien à l'Afrique. On les dépouille. Quand on leur prend 100 euros à l'Afrique, que ça soit en pétrole, en gaz, en uranium, il leur retourne 4 à 5%, on les dépouille. On les dépouille, ces gens-là. Voilà ce qui se passe au quotidien. Je voudrais vous faire écouter une dernière chose. C'est un petit peu plus long, mais c'est intéressant que tout le monde puisse s'entendre, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est... Ma problème, c'est son français, son citoyen français qui a parlé. Son citoyen français qui a parlé, qui a dénoncé, dirigeant français, Lio, justement, qui a mal dirigé le pays, la France. Tellement au nom clan, bagaille Occident, 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 et fourni Ukraine, aide. Et comme si Ndadjo, en matière d'armement, leur balsam ou balsam, c'est pour faire la guerre. Ou pas balsam pour faire la paix, non? Ou balsam pour faire la guerre. Et Poutine lui-même, peut-être pas, et même, moi, pas de contexte avec tout ça, mais c'est pas grave. Il faut 30 pays mettre ensemble, à bas un seul pays, ils pour bataille contre un green pays. Green pays, lui-même, il campait tough. La bombarder, l'élever, bombarder, le bombarder, l'élever, vide, balsam, vide, balsam. Vraiment, comme si, on cherchait sens, comme si bataille ça, bah ouais. Sauf que si l'irrité, une bataille géopolitique, c'est des gros intérêts, c'est des gros intérêts qui parlent. N'importe qui, j'en ai pas de penche au penché mal, qui a cueilli au sous-pied, mais moi personnellement, je vais fouer bouche trop long, dans gros cause gros lot. Sauf que ça qui m'a dit, l'Afrique, justement, c'est pour les Africains, c'est clair, parce que c'est des Noirs, même j'avais, l'Afrique aux Africains, pas de problème pour une coopération avec toute l'autre nation sur la terre, mais il faut que le pays soit indépendant pour voler des propres ailes, pour regarder comment lui-même, si que il va faire des bagages pour le pays. Parce que après tout le temps que la France fait l'abdomen de l'Afrique, l'Afrique est ta qu'elle trouvait là. Et pour même autant belle qu'au bel là, pour chouchou, ils ont envie de passer vacances à Caillou. Et puis même la Caillou, c'est toujours terre battue, fatra la boule de antiterroristes. Non, mon cher. Pendant qu'on a fourni avec l'Ukraine sans camper pour la Russie beauté, n'a pas les amis Ukraine, là aussi a tout prêt au vivant. Et pas méchant, nous méchant avec tête, nous. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas honnêtes. On avance.
frappant en boucle sur nos chaînes d'infos, malheureusement. Vous savez très bien comment que ça se passe. La propagande, elle est partout, dans tous les pays, et elle est aussi chez nous, cette propagande. Eh bien, cette propagande, il y a des vidéos qui vous font pas voir. Eh bien, regardez ce qui s'est passé au sommet en Afrique, et avec le nouveau dirigeant du Niger. Parce que, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont entendu, et je compte sur vous pour appuyer sur ce petit bouton partage, pour que ça puisse se répandre un petit peu, et au moins, juste au moins, que les gens puissent entendre ce qui est en train de se passer. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous dire, sincèrement, tout l'équilibre mondial est complètement déstabilisé. Ils pensaient qu'ils étaient forts, ces gens-là, ils pensaient qu'ils allaient écraser tout le monde, nos dirigeants à nous, les dirigeants de l'Europe, et aussi les dirigeants des États-Unis, et en fait, ça se passe pas comme ils voulaient. Mais ça se passe vraiment pas comme ils voulaient. Mais attention, mes amis, il faut se mettre en garde tous. On va payer les pots cassés, hein. On va payer les conséquences. Et ça va nous coûter très très cher, très très cher. Donc au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on dise quelque chose pour que ça puisse s'arrêter. Parce que sinon, on va finir par crever la dalle à cause de nos dirigeants. Vous inquiétez pas, eux, ils seront toujours dans leur château doré, ils auront toujours de la bouffe à foison et tout ira bien pour eux. C'est nous qu'allons payer les pots cassés de tout ça. Mais à travers la propagande qu'ils sont en train de faire, ils vous diront que c'est à cause de M. Poutine, que c'est à cause de certains dirigeants en Afrique. Non, c'est à cause de nos dirigeants à nous. Voilà pourquoi on en est là. Voilà pourquoi ça se passe comme ça. Je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo et qu'on puisse la partager partout. Ça dure 2-3 minutes. Prenez le temps de ces 2-3 minutes. Puis pendant que cette vidéo est en train d'être diffusée, je vous demande de la partager un maximum. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous aussi, mon frère et M. Français. Justement, mais l'important, ça que fait moi trouvé que l'intéressant pour que me passe et intervention ça, c'est parce que justement, tension a monté dans le pays l'Afrique et que nous avons regardé comment nous-mêmes nous avons commencé et try pour moi. Alors, nous avons commencé et regardé comment nous avons aidé à comprendre mieux et bataille géopolitique dans le pays. Dans le pays et un pays l'Afrique avec la France, parce que il est probable que gagner une bataille militaire, une guerre, c'est Berland, pendant au Niger, et c'est toute l'Afrique qui a levé campé pour bataille contre et la France. Ça veut dire que son bataille politique, son bataille d'intérêt, son jeu d'intérêt, et que c'est l'Afrique qui n'a pas fait back. Yo campé, y a goumen jouk sa kaba. En entendant maintenant le général, le capitaine, citoyen, garçon canson, nèg canson nan taille, petit et m'capable di zanset nou yo, les noirs, garçon solide, capitaine Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, en entendant dans émission ça peut pas ici. C'est très intéressant. Pas comme dirait le président capitaine Thomas Sankara. L'aide qui va nous aider à sortir de l'aide. On ne veut pas rester éternellement dans l'aide. Nous, c'est bien aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est là. Les pays nous donnent des vivres et tout. Mais nous voulons, tous ceux qui sont passés des chancelleries, on a toujours passé le temps de dire, nous voulons qu'on puisse nous donner plus. Parce qu'on veut produire, on ne veut pas continuer à recevoir des dons. Non, il faut qu'on mette notre parce population... C'est une forme de dépendance au final. C'est une dépendance. Toutes ces ONG qui pullulent chez nous, c'est ça en fait. C'est pour nous garder dans l'assistanat, la mendicité chronique. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut remettre les gens au travail, il faut qu'on produise, il faut qu'on mécanise l'agriculture. On a assez de potentiel pour ça. Et d'ailleurs, tout au long de ce forum, c'est ce qu'on a entendu, les mots souveraineté, les mots partenariat, gagnant-gagnant, c'est vraiment maintenant ce que souhaitent les pays africains. Oui, beaucoup de gens aussi le disent, mais il faut qu'on traduise ça. Dans les faits. Souveraineté, c'est bien. On ne peut pas dire qu'on est souverain tant qu'on tend la main pour manger. L'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très important chez nous les Africains. Quand on parle de dignité chez un père, lorsqu'il n'a pas, il rentre le soir, il n'a rien pour mettre dans l'assiette de son fils, il n'y a pas de dignité. Pas de dignité. Du tout. Pas de dignité. T'es satisfait? Le bilan est assez positif parce qu'il s'agissait de voir donc les perspectives pour ce qui concerne nos États. Et ce qui concerne aussi nos relations avec la Fédération de Russie. Donc on a épulché assez de domaines et il y a de bonnes perspectives. Alors vous avez pu rencontrer le président russe, Vladimir Poutine, en format bilatéral. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? En format bilatéral, il s'agissait de discuter de nos problèmes particuliers, notamment des questions de sécurité, de défense, mais aussi des questions économiques parce que ça va ensemble. L'économie, le développement, les infrastructures, ça va ensemble avec les questions sécuritaires. Donc c'est en gros, c'est ce que vous voulez qu'on a évoqué.
quelques résultats concrets dont vous pouvez nous parler? Le résultat concret, c'est que le plus urgent pour nous, c'est la question d'équipement militaire. Donc, c'est sur ça que nous sommes. Mm-hmm. Donc, dans les jours à venir, on espère pouvoir commencer les opérations. Voilà. D'accord. D'acquisition et tout. Alors, on va reparler de ce domaine-là un petit peu plus tard. Mais j'aimerais vous poser la question. Alors, vous avez fait une déclaration tout à l'heure. Vous avez dit que le peuple burkinabé soutenait l'opération militaire spéciale de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, c'est un droit du peuple d'exprimer une opinion. Donc, la grande majorité, je l'ai dit, mm-hmm. la soutient. Mais il ne s'agit pas de se cantonner sur ça parce que toute guerre est mauvaise. Il n'y a pas de bonne guerre. Tant que des gens meurent, c'est pas bien. Même nous, on a l'art de le dire. Alors, capitaine Ibrahim Traoré, qui a répondu à une question, un journaliste français. Et très important. Avant que même les terroristes qui nous attaquent, on souhaite qu'ils déposent des armes et qu'ils reviennent à la raison. Parce que ce sont des jeunes gens qu'on tue. Mais s'ils ne veulent pas le déposer, on n'a pas le choix, il faut le combattre. Il faut le combattre. Mais nous avons aussi un sentiment parce que le peuple burkinabé souffre assez depuis maintenant 8 ans. Oui. Les gens meurent tous les jours. Mais depuis notre action, on peut vous dire que nous sommes beaucoup déçus aussi du comportement de certaines personnes. Et ce qui nous donne un sentiment un peu mitigé en fait. Voilà. En termes d'équipement, on n'arrive pas. Certains pays nous ont carrément fermés et nous ont bloqués et tout. Donc c'est un sentiment quand même de désolation et de voir que de l'autre côté, on donne assez d'équipement qui malheureusement se retrouve sur le terrain. Alors, déçu de la part de certains de vos partenaires ou anciens partenaires? Oui, certains de nos anciens partenaires, il faut le dire clairement. Nous sommes beaucoup déçus. Qu'on ne puisse pas nous donner ne serait-ce qu'une cartouche et qu'on peut soutenir d'autres États qui se battent aussi pour la souveraineté. Pourquoi nous, on ne peut pas nous soutenir? Mais ce que je dis, ce qui est dommageable, c'est que ces équipes... Justement, et qui est des plaignants, qui est des plaignants, et pays, je suis capable de dire non, Burkina Faso, parce qu'on a un pays qui est extrêmement pauvre, c'est pas du tout mon dédié. Et des catégories, c'est pas un pays comme ça, qui est extrêmement pauvre, une misère totale, un pays qui sèche, vous comprenez, et c'est le bail tête chargé. Sauf que les dirigeants ne sont pas riches, c'est ça qui vient pour un pays noyau qui dérange. Pendant que les misères, le peuple a un grand goût dans la souffrance, ils peuvent arriver dans la tête de l'État pour multimillionnaires lui-même, ils sont riches nets. Les pays sont en souffrance, et puis ils trouvent un blanc responsable. Ils se comprennent. C'était toujours dirigeants irresponsables, dirigeants volés, vicieux, ils se comprennent, qui étaient toujours bagaille. Mais maintenant, il y a un leadership quand ils commencent à dégager dans le pays, et je suis capable de dire non, africains, et que le peuple africain apprécie en pile et appuie à 100%. Ouais, décision. Pour le coup d'État, ça y est. Imaginez, coup d'État, paix des fêtes. C'est des peuples qui ont voté des présidents pour arriver au pouvoir. Ouais, même peuple, ça, ils ont solidarisé avec des gens qui font coup d'État. C'est de la tête chargée. C'est de la tête chargée. Même Abdi Noukto, et dans tout coup d'État, nous, qui fait dans le dernier temps, on a payé l'Afrique. Pas grand président qui mourit. Dans le pays Guinée, avec le colonel Mamadi Doumbouya, qui était renversé. Régime, comment les présidents sont encore Alpha Gondé justement, et il était juste pris Alpha Gondé, mettez la lieu sûr, mettez monsieur côté, mettez des gardes présidentiels à suivre monsieur, des gardes, une équipe information pour ça même, et puis extérieur, permettre extérieur, il toujours contrôlé, et puis monsieur bail peuple a garanti président li de bonne main, li à bon port, li en lieu sûr, pas gain rien qu'à privé, sauf que il dit clairement, nous suspendons le mandat président. Nous prenons le contrôle du pays. Elle te dit maintenant, je suis le chef de la transition de la République. Le chef de l'État. Dans le pays Guinée. Colonel Mamadi Doumbouya. Vous êtes le monsieur. Et vous ne pas. Lion noir. Vous êtes monsieur Lion noir. Son bête sauvage. Mais qui pas joué. Vous comprenez? Et ouais monsieur, ton baba nous dit, il va être chargé l'Afrique quelque part où elle on vend révolutionnaire, on vend révolution qui a soufflé. Nous par contre, il a fait en douceur, nous par contre, il a fait dans la guerre parce que tellement gain intérêt que la France gagne dans pays l'Afrique. Tellement gain intérêt que la France a beauté dans pays l'Afrique, tellement gain ressources que la beauté gratis et puis pays en pauvre. Peuple là dans grand goût dans souffrance et puis on beauté ressources qui gagne dans sous-sol. Et bien, je dis, n'a pas,
Après, si la France et un officier. On continue d'entendre colonel, alors capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il serait souhaitable que ça s'arrête tout de suite. Hier, au cours du sommet, la plupart des Africains en ont parlé pour qu'on trouve une solution de négociation. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y a aucune volonté de négocier d'une partie. Donc, ça devient compliqué. Quand on écoute les médias occidentaux, et notamment les médias français, l'image de l'armée burkinabé n'est pas forcément reluisante. On l'accuse de crimes de toutes sortes. Pourquoi cette image, d'après vous? Non, c'est logique. Les médias font leur guerre aussi. Au profit, donc, c'est logique chez eux. Mm-hmm. Mais nous, nous déplorons cela. Qui a déstructuré nos armées? C'est ça. On a dénoncé le fait d'avoir imposé aux États le problème de la gestion structurelle. Le budget des armées a été carrément réduit à zéro. Mm-hmm. Ouais. On a tout perdu, en fait. On n'avait plus d'armée. Ils ont préparé 2 décennies plus tard donc, ces événements qu'on vit aujourd'hui. Mais le terrorisme là, et c'est le même qui chante que... Voilà. Ouais, dans le même moment, il faut attendre. L'actualité, elle est hâte dans le pays africain. Yo. Surtout au Burkina Faso, Guinée, Niger, et Mali. Il y a chaud. Dans le moment où on a parlé là, attendez bien, oui, pendant le peuple a grand goût dans la souffrance, et puis il y a l'uranium qui a exporté vers la France, vers les États-Unis d'Amérique. Et bien, il y a un président... Et président et transition qui a parlé là, qui c'est Naïm et qui c'est Naïm et Ibrahim Traoré. Et monsieur interdit toute exportation uranium vers la France et les États-Unis d'Amérique. Ah, c'est une bataille là, bataille la tête chargée, bataille là, pas de problème. Mais pour qui ça tout paraît ça sorti dans le pays ça yo? Et pays et peuple la pauvre, peuple la sale, men, peuple la dans grand goût, monsieur. Non, fuck bataille, fuck politique, et fuck politique mondiale, là, stratégie politique, là, il faut que vous ayez. C'est mon même bien avec nous. On continue d'attendre le capitaine qui a parlé en mode Thomas Sankara. Adamé, mais pendant ce temps, ils étaient où? Donc aujourd'hui, nous voulons reconstruire une armée pour faire face. On est dans cette phase. On reconnaît que c'était un peu compliqué, mm-hmm. parce que c'était désorganisé, mais nous savons ce que nous faisons et on peut dire qu'on est en train de monter en puissance parce que le fait de s'organiser, déjà avoir des unités organiques, pouvoir faire face à la menace grandissante, je pense que c'est bien. Le reste, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent parce que c'est une guerre aussi de communication. Quand les terroristes attaquent, il n'y a pas de problème. Hein. On n'en parle pas trop. Mais quand nous, on a des victoires, subitement, on entend du tout des droits de l'homme et tout. Mm-hmm. C'est leur guerre à eux. Alors justement, cette guerre de communication, quel impact a-t-elle sur l'opinion publique burkinabé, sur la population? Je pense que la population, la majorité, la masse populaire, comme je dis, peut comprendre facilement. Parce qu'eux, ils souffrent beaucoup de ça. Mais il faut reconnaître aussi que la colonisation a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup de gens aussi chez nous, que nous appelons des valets locaux, qui aussi... se retrouvent souvent sur les ondes même de ces médias occidentaux-là pour dénigrer leurs propres forces armées, pour dénigrer leurs propres combattants. C'est déplorable, mais c'est des Burkinabés qui le font. Mm-hmm. Donc il y a un gros travail que nous devons faire pour changer un peu les mentalités. Voilà, ces mentalités coloniales qui existent toujours chez certains, qui sont prêts toujours à servir donc, le maître, se comportent en esclave. Ça fait partie. En interne, au sein même du pays? Bien sûr. Il y en a au sein du pays qui appellent donc sur les médias occidentaux. Même certains reporters qui travaillent pour eux, bien qu'Africains, savent bien ce qui se passe, mais ils racontent ce qu'ils veulent. Hein. C'est déplorable. Alors justement, en parlant de cette guerre de communication, de ce paysage médiatique, comment jugez-vous l'arrivée de médias russes, par exemple, en Afrique, qui donnent un point de vue alternatif? L'arrivée des médias russes, nous voulons des médias qui vont sortir la vérité de ce qui se passe. Alors, quand des gens, par exemple, nous traitent de ne pas respecter les droits de l'homme, je pense que le militaire, la première chose qu'il défend, c'est le droit à la vie. Parce qu'il se sacrifie pour permettre aux civils de vivre. Lorsqu'on sait qu'il y a la mort quelque part, le militaire y va. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte mieux que les forces combattantes le droit à la vie. Donc, c'est le premier droit. Mais si les médias russes font sortir la vérité de cette guerre, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent mentir sur cette guerre
on ne va pas bien sûr s'entendre. Parce que l'objectif pour certains, c'est d'intoxiquer nos populations à se retourner contre nous. Et pour pouvoir voilà, atteindre leurs objectifs clandestins. Donc, nous n'allons pas permettre cela. Et vous ne le permettez pas. Il y a des chaînes et des, comment dire, des stations de radio qui arrêtent d'être émises. Bien sûr, et ça va continuer tant qu'un média ne va pas se mettre dans le sens de la vérité. Ce n'est pas seulement les médias occidentaux, même les médias nationaux. Je sais que certains seront censurés s'ils continuent dans une certaine lancée. Mm-hmm. C'est comme ça. Eux aussi le font. En Europe, lorsque quelque chose ne va pas avec leur assentiment, ils sanctionnent les médias, ils ferment les médias. Je pense que vous-même, vos médias sont fermés là-bas, c'est ça? Voilà. Ils font leur propagande, mais on ne peut pas permettre qu'on vienne faire la propagande chez nous. Donc, notre population a droit à l'information juste, et on va passer ce que nous devons passer. D'accord. Alors, de façon plus concrète maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire sur le terrain? Vous êtes un militaire, vous êtes un homme de terrain, justement. Alors, quelle est-elle aujourd'hui? La situation sécuritaire, elle est... Comment je vais dire? On la contient. Parce que, n'oubliez pas quelque chose, à un moment donné, certes, il y a un ascendant terrible sur l'ennemi. Mais l'ennemi se rééquipe, on ne sait pas comment. Actuellement, nous rencontrons un certain type d'armement, un certain type de munitions. Voilà, on se demande d'où ça vient. Mais c'est ce que je dis, c'est déplorable peut-être que ça fuite de certaines zones de conflit jusqu'à chez nous. Mm-hmm. Donc, actuellement, nous sommes à la phase d'organisation et d'équipement. On peut dire qu'on a introduit la guerre parce qu'on attritionne l'ennemi. Mais la vraie guerre, le développement, ça va commencer bientôt. Alors, donc, justement, quelle sera cette deuxième phase? La deuxième phase. Ça veut dire que c'est des gros annonces qui ont toujours fait là dans le moment dans le pays d'Afrique. Même ça qui fait comme si l'y intéressé pour me passer. C'est pas pour avec comme si même douleur, moi c'est même douleur. Non. Kembe, on sait des gros pays, ambassade même fédérée dans le pays. Non. Là, tout style là, des sociaux politiques, c'est yo. Tout bagage, c'est yo. Et puis nous, dans la misère, nous, dans la crasse, courir sécurité, mettre pied ou mettre courir. Nous quittons dans sa qu'une trouvée, non. Et puis, nous, même, nous, de aller, nous, dire, pas qu'à résoudre tel bagage, comme si tout le monde net, qu'à pas distance. Jodi, imaginons. États-Unis campé, dit clairement. Ils ont supporté. Le pays Kenya. Au niveau matériel. Que l'idée n'est fausse dans le pays d'Haïti. Le Canada répond même bagaille. La France déjà fait même bagaille. Ça veut dire qui ça? Le problème n'est pas intéressé aux États-Unis encore. On nous retire Ariel pour suspendre, mettre bouche en politique dans le pays. Nous. Il n'y a pas de problème pour les diplomates de la caille. Nous, les diplomates de la caille, tout. Mais nous faut bagaille. Si nous souffrons, nous souffrons. On nous souffre pour une dernière fois. On nous souffre pour bon, on a connu si on a un vrai problème avec nous pour tout le monde. Si vous voulez ou pas vous voulez tout le monde, si vous avez tout, vous avez bombardé nous, vous avez nous. Mais nous retirons les dirigeants, restons avec les dirigeants Tchoul pour nous garder les dirigeants qui sont capables de négocier avec vous ou parler avec vous. Parce que nous avons toujours avec vous, nous avons toujours amis, nous avons toujours colonies, nous avons toujours alliés. Mais il faut le faire bien, si vous faites bien. Vous ne pouvez pas dire que vous avez Taïwan pour de la Chine qui est l'argent. Vous faire ça. Vous ne pouvez pas dire que vous avez poussé Taïwan pour m'aller. Taïwan a prêté moins 10 millions, 150 millions de dollars américains. Et puis la Chine même n'était qu'à investir 15-20 milliards. Bon, mon porte-bois qui est propre. Mon porte-bois avec, comme si je disais, une centaine ou 150 buildings. Fais moins porte-bois, fais moins au bout de mes porte-bois. Comment c'est? Bagay, pour nous, porte-bois. Fais moins Cité Soleil avec, foncez avec l'aéroport là. Fais moins long avion à venir pour avion commencer à descendre depuis sous prête là, mais bon, Cité Soleil là. Pour nous effacer côté de Cité Soleil, parce que nous devons mettre piste aéroport pour nous avoir un airport international solide, gros airport, pour nous faire placement et gâter fond seul avec tout le bagage et nous gérer. Vous comprenez? Et pays qui a fait. Il y a un temps surtout au sol. Surtout au sol, parce qu'il va falloir mettre pied dans le sanctuaire, il va falloir déloger dans toutes les forêts où il se trouve et assurer maintenant une sécurité à partir de certaines lignes pour qu'il n'y ait pas d'infiltration et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages, comme je dis, qui avaient été, en fait, occupés ou une zone sous contrôle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette zone au Burkina où l'armée ne peut pas se rendre. Mm-hmm. On va partir. Peu importe, il n'y a pas cette zone où on ne peut pas se rendre. Mais il s'agit de les neutraliser dans leur sanctuaire. Ceux qui pourront fuir, quitter le territoire, de mettre un dispositif de surveillance pour les empêcher de pouvoir infiltrer notre territoire.
Alors après, il y a ce problème de porosité entre les frontières de vos pays voisins. Et j'imagine que ces groupes terroristes jouent sur ça, se réfugier dans un pays voisin, le temps de, je sais pas, de se renforcer et revenir plus tard. Comment régler ce problème-là avec peut-être justement les autorités des pays voisins? Il faut qu'on soit audacieux. Voilà, c'est une guerre. Peut-être que s'il n'y avait pas de mains extérieures, on avait carrément baissé la température. Mais comme il y a des mains extérieures, il faut qu'on soit audacieux. Quand je regarde, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, dans le conflit actuellement de ceux ukrainiens, il faut pouvoir faire des infrastructures qui puissent empêcher l'ennemi d'être mobile, de pouvoir traverser nos frontières. C'est des mesures physiques. Ça peut être des mesures passives. Par exemple, vous avez, quand vous regardez la ligne de front actuellement Russie-Ukraine, il y a des grosses fortifications, des tranchées, des bandes de dragons, beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles physiques qu'on peut mettre. Et au niveau des frontières? Bien sûr, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens ont construit des murs entiers. S'ils le font, on le fera. Et aussi, associé à cela, beaucoup d'autres moyens passifs. Mais toujours est-il qu'il faut empêcher coûte que coûte l'ennemi de pouvoir faire ce jeu. Et quelles sont vos relations actuelles avec les pays voisins qui souffrent des mêmes problèmes que le vôtre? Donc, les relations avec les pays voisins, avec la plupart, ça se passe plus ou moins bien. Avec le Mali, où on a la plus grande frontière, 1000 et quelques kilomètres, ça se passe très bien. Parce que nous, on interopère. Il y a une communication. Oui, une très bonne communication. On rentre au Mali, les Maliens rentrent chez nous, il n'y a pas de problème. Avec le Niger aussi, on a connu des difficultés, il faut le dire. On espère que ça sera résolu. Surtout en ce moment, oui. Oui, actuellement, avec la situation qui prévaut, tout est un peu flou. Mais on espère pouvoir reprendre rapidement les opérations là-bas, parce qu'on a aussi une grande frontière. Mais avec les pays au sud aussi, il n'y a pas de problème, on opère. Alors, c'est d'ailleurs une déclaration que vous avez faite lors de ce sommet. C'est voilà, je vous cite. Pourquoi continuer à recevoir de l'aide humanitaire si nous, on a ce potentiel de pouvoir nous-mêmes nous nourrir, être autosuffisants? Voilà, c'est ça la... Bien sûr. Moi, j'ai... Ça, la finalité. La finalité, c'est ça. On ne veut pas, comme dirait le capitaine, président capitaine Thomas Sankara, l'aide qui va nous aider à sortir de l'aide. On ne veut pas rester éternellement dans l'aide. Les points exemples, ils disent, même Jean capitaine Thomas Sankara te dit, yo capable toujours prendre aide, mais son aide qui ka aider au sorti nan aide que a prend tout temps, qui yo pas obligé rester nan aide tout temps. Yo capable prendre aide journée jodi, ça veut dire que y a prend aide nan main pays là aussi qui pour retirer nan question nan situation mandian mandicité ya, parce que yo pas ka faire toute vie yo a mandé coup de main a prendre main là aussi là comme yo coupé fâché avec de l'autre pays. Là maintenant, yo besoin support. Automatiquement fin jeune support, yo capable sur début yo va voler de propre zèle yo. Voilà, moi-même, ça bien parler, mais c'est un jeune qui a capacité. Ouais, dans pays d'ailleurs, tu pas cacher un jeune qui a conviction ça yo. Alors n'a suivre Claude Joseph, n'a suivre Martin Moïse, c'est des monde jusqu'à maintenant ouais peuple a adoré, peuple a toléré et grand pile ravette qui pas veut ouais, c'est normal parce que de fait, yo c'est équipe Jovenel Moïse. Un groupe n'est qui se touille Jovenel Moïse, c'est des monde qui pas jamais aimer monde ça yo et monde ça pas jamais aimer groupe monde ça yo tout. Mais n'a dit faut nous produire des monde d'un jeune ça yo et faut que Claude Joseph ouais tête li n'a dit alors Traoré c'est pas politicien, c'est un militaire. Mais Claude Joseph de fait son politicien, ils sont politiciens. Faut que monsieur pas peur si blanc est problème ensemble avec pays d'Haïti, c'est ou capable faire nous connaître. Mais mon cher Sigue adelante nous derrière pour que nous connaître tout problème que blanc est avec nous. Si blanc pas le pays a développé pour tout bon. N'a pas connu par rapport avec Sigi Kop Sigi, parce que pas katouyo, on avance. C'est bien, aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est là. Le pays nous donne des vivres et tout. Mais nous voulons, tous ceux qui sont passés des chantiers, on a toujours passé le temps de dire, nous voulons qu'on puisse nous donner plus, parce qu'on veut produire. On ne veut pas continuer à recevoir des dons. Non, il faut qu'on mette notre parce population. C'est une forme de dépendance au final. C'est une dépendance. Toutes ces ONG qui pullulent chez nous, c'est ça en fait. C'est pour nous garder dans l'assistanat, la mendicité chronique. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut remettre les gens au travail, il faut qu'on produise, il faut qu'on mécanise l'agriculture. On a assez de potentiel pour ça. Et d'ailleurs, tout au long de ce forum, c'est ce qu'on a entendu, les mots souveraineté, les mots partenariat, gagnant-gagnant, c'est vraiment maintenant ce que souhaitent les pays africains.
Oui, beaucoup de gens aussi le disent, mais il faut qu'on traduise ça. Dans les faits. Souveraineté, c'est bien. On ne peut pas dire qu'on est souverain tant que on tend la main pour manger. L'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très important chez nous, les Africains. Très bien. Quand on parle de dignité chez un père, lorsqu'il n'a pas, il rentre le soir, il n'a rien pour mettre dans l'assiette de son fils, il n'y a pas de dignité. Il n'y a pas de dignité tant que vous n'arrivez pas à vous nourrir. Et donc, si on dit souveraineté, il faut qu'on lutte pour qu'on soit autosuffisant. Donc, c'est le message que j'ai voulu passer. Certes, on va nous donner, mais il faut qu'on soit autosuffisant. Donc, souveraineté, c'est bien. Partenariat gagnant-gagnant. On en parle, mais il faut qu'on définisse clairement les termes. Nous, par exemple, nous disons, nous ne voulons pas exporter nos produits bruts encore, non? Nous, nous produisons du soja, du sésame, de l'arachide, tout ça, c'est des produits oléagineux. Mais nous ne voulons plus les exporter comme ça. On veut transformer et pouvoir exporter l'huile. On consomme et le surplus, on exporte. Avec une valeur ajoutée. Bien sûr. Sinon, si on prend tout en brut, on exporte. Regardez notre noix de qualité, comment ça est. C'est banalisé. C'est une ressource naturelle. Mais on exporte toutes les noix. Les autres transforment. Même le chocolat de ça, ça revient très cher. Mm-hmm. Les femmes, les produits cosmétiques et tout. Non, il faut qu'on arrête ça. On doit transformer. C'est important. Et ça veut dire que c'est des réformes. Voilà. C'est ça, oui. Malheureusement, Jovenel Moïse partage avec la meilleure. C'est l'homme étant là, mais sous pied. Donc, il y a des réformes qu'on fait, c'est avec militants, c'est vrai. Parce que militaire qui a pris du temps pour le trahir, bien que nous avons fait des désordres, lui, mais militaire qui a pris du temps pour le trahir. Et c'est ça qui nous doit, et comme Simdadjou souligné. Et je sais que les jeunes garçons sont capables de solides comme ça. Ils sont des militaires, ils ont des troupes solides, là aussi. A bay au matériel solide là, veut dire que nous avons renforcé tête yo en matière d'armement, veut dire que nous sommes solides, yo prêt pour la guerre, quelque soit éventuelle attaque, bien que nous là beaucoup parler pour prendre frappe et la France, parce que la France a son bagage tête charge bagage terrible, et nous connaissons depuis la France dans bataille avec un pays et l'OTAN a tout accompagné, ça veut dire que petit pays ça vous connaissez massacre qui d'avoir fait dans pays la France et l'Afrique, pardon, dans pays l'Afrique, mais ça était capable tout déboucher sur une guerre mondiale. Parce que monsieur que la Russie pas d'après des bois croisés et puis on monte fragile, on monte qui un paquet de bombes nucléaires, mes amis, on ça pour nèg faire bagarre ça, mes amis, pour détruire le monde. Moi même ça va être chargé toute charge d'armes nucléaires pour détruire le monde, yo pété lui même encore y a mourir tout va être chargé. Ouais, go causer papa ici madame Evelyne, nous content saluer les familles, moi content saluer aux entraînements cavalier Paul Camré allié, moi madame Evelyne nous saluer et lui, Joël Jean-Philippe, je compte me saluer depuis les États-Unis d'Amérique. Me saluer et madame Adeline, me saluer toutes amis nous, capitaine de nous Boston Massachusetts, me saluer toutes amis capitaine de nous Delaware, me saluer toutes amis capitaine de nous effectivement Queens, New York City. OK, me saluer pile amis et capitaine de nous partout à travers le monde. Et me saluer nous en général parce que bataille là continuer mener combat tout partout parce que la vérité a dû parler et son obligation pour le moment pour le parler. On continue à faire parole là, parler tout côté dans le monde là parce que faut que le peuple prenne engagement, faut que le peuple prenne responsabilité, faut que la vérité a continué à parler parce que nous pas arrêter comme ça, nous pas quitter un pays à finir comme ça et pour quitter un petit bout de vagabond, un petit bout de voyou, à détromper nos conditions pareilles. C'est pas logique et faut que nous fassions tout ça que nous connaissons, que justement. Et nous permettre que le pays soit dans sa bonne nouvelle. Il va logique, faut que nous gommions en pile. Et ça qui a passé dans le pays, nous sommes capables de dire nous là, Afrique, c'est le moment privé. C'est le moment privé pour que vous passez. Et pas gagner capable de faire au campé. Ça veut dire que nous sommes capables de dire nous-mêmes, comme Haïtiens, nous prenons un engagement. Nous menons une bataille par nous tous, pour nous garder comment d'avoir des pays. Nous sortons effectivement dans une situation difficile, la nouvelle là, parce que c'est difficile. Nous ne sommes pas capables de quitter le pays à continuer à effondrer comme ça. Non, c'est la logique. C'est soit nous vivons tant que monde, ou bien nous ne pas exister. C'est clair. C'est soit nous vivons tant que monde, ou bien nous ne pas exister. Nous ne sommes pas capables d'exister comme si nous avons tout c'est comme ça. Non, c'est la logique. C'est la logique. Je veux dire, l'Afrique a un pile problème. L'Afrique a l'Occident problème. Et l'Occident est capable de dire qu'il est chargé. Il va facilement mais même. J'ai un pays africain qui mette les gens en dehors, ça va être chargé. Vous comprenez? C'est de être chargé. En fait, l'autre dossier qui a dominé l'actualité,
c'est capable de dire non. C'est dossier qui gagne pour avec Liliane Pierre-Paul gagne un vénérable qui est Lova Toussaint, Lova Toussaint qui toujours bail des qui toujours a prophétisé, même si les bails comme si moi pour d'avoir oui. Dès que monsieur paraît plus professionnel. Désolé, désolé, naturel nous va gérer ça, nous va raconter ça. Et il y a notre Lova Toussaint qui a expliqué genre que normalement il était ouais la mort et dame ça t'as pu venir on t'a dit ça. Regarde, c'est chaque année que la prophétie toujours lancée. nous t'as dit ça avec Wendell Théodore, nous t'as dit ça dans Radio Mega, nous t'as dit ça dans plusieurs émissions. D'ailleurs, l'homme de dit ça à Wendell Théodore, Wendell demande est-ce que c'est pas lui-même qui a mouru. Parce que m'a dit Wendell, son journaliste vedette. Wabdil Kekton. Wabdil Kekton. Non, m'a précis parce que son émission fait en avril 2023. Attention. Son émission fait en avril 2023. M'a fait émission ça, m'a dit, nous n'êtes pas malade. Journaliste vedette mourit subitement. En 2021, j'étais dans l'émission avec Lionel Benjamin. J'étais allé en plein cachet là. J'étais avec un journaliste qui a mouru en 2021. Il y a un peu de précision. Chérie, Bambo, Elova, posez. Je vais tout résoudre le problème ça ou tout résoudre. Yes. Parce que une vidéo qui est virale, tête qui a la gueule pour nous, quand on a chemise noire, entendre tête la gueule, et puis on va voir que tu as fait longtemps. Mais il y a une autre bagaille qu'on te dit après Ted Lagé, vidéo font poser et Lova n'a tout n'a pas retourné. Ted Lagé, vidéo, côté Lova réellement, il est bien précis. Et honnêteté, il faut apprécier. Il dit que depuis 2021, il dit en vidéo, ça réellement, c'est en vidéo côté la chemise noire, il était fait avec Lionel Benjamin, dans contact, et que il te dit en 2021. Il y a des gens qui disent que c'est pour l'année 2021 que tu es prédit. Ou pas de prédit pour l'autre année. Ils ont même demandé, chérie, attendez, où vous dites où on est. Et ceci dit comme d'après passer la vidéo, ça, parce que en tant que PAM, c'est sans fanatisme et parti pris. Mais je vais répéter là, ou tu réitérer, ou tu réitérer nos vidéos pour l'année ça. Et il publie tout. Ou te dit 2023, mais ça va passer. Effectivement, c'est fait des témoignages. Ma brap, le m'baba, te gon seul aura, te gon seul aura sous Jovenel Moïse, papa. Seul aura ça, en va rien, président mouri. Et effectivement, le président mouri, mais même papa. Il n'y a pas comme si m'da dit, mon t'a tenté de dire sous mon frère. Ma brap, cherche à côté. Je vais comme si avant moi mal là pour nous essayer battre ensemble mais tu sais pas avoir à l'envers et n'ai une prophétiser sous la vie moi ben ça me pas prendre en même personne. Voilà Stanley Lee Cap haïtien qui a parlé du dossier intervention militaire et Kenya qui a décrit pays qui alors situation pays Kenya pour nous l'important et pour nous étendre ça encore Stanley Lee Cap là pareil et désolé Stanley Lee Cap maintenant sont des Salut les gars. Si l'intervention militaire est à 13 ans, il n'y a pas quitté rien à pays. Donc, conclusion propre, c'est dans ce diagnostic là, pas aucun soldat étranger qui est capable de résoudre le problème pour aucun. C'est numéro 1. Numéro 2, qui est le diagnostic aujourd'hui en matière de gang? Ou bien Tilapli dans Grand Ravine, ou bien Chrysla dans Tibois, ou bien Ezekiel dans Basse-Pila, ou bien Timaka dans La Boule, Edgar remplacé parce qu'il est tout. Ou bien Kempes dans Belé. Ou bien Mano dans Cité l'Esternet. Ou bien Iso 5 secondes dans Village de Dieu. Ou bien Sonson Manilo dans Craché Dijon. Ou bien Tiol dans Bois d'Homme. Si Junior qui est tout dans Chabon est remplacé. Ou bien T-Chef dans la base Riposlen. Ou bien Mikano dans Wap Jérémy. Ou bien T-Jude dans Fort Dimanche. Ou bien Iska dans Belécou. Ou bien T-Gabriel qui est dans G-Peuple.
gen Mathias dans Boston, ou gen Tyson dans Douya, ou gen Kobe dans Chancerel, ou gen Jimmy Cherizi alias Barbecue dans Delma, ou gen Tip Greg dans base 95, ou gen Chien Méchant dans Santo, ou gen Vitel Omino sans écraser barrière, ou gen Lanmo sans jour, nous kon côté lié dans 400 Marozo. Et ou gen Dimitri Vop qui contrôle Phantom 509. Et puis ou gen 4 ou 5 gun dans la Tibonite là. C'est Dimitri Vop qui contrôle Phantom 509. Absolument. Donc on go ba ou di la, même Jean. Non, Sanle. Et Regina. Sanle. On go ba information ba la, oui. Rien de nouveau, c'est déjà connu. Même Jean ou gen Reginald Boulos qui gen gang dans Cité Soleil qu'il contrôle. Maman, papa, gang yo, parrain gang yo dans le pays d'Haïti, yo rele les oligarques de Pétionville, 4 ou 5 oligarques. En bas oligarque là dans structure gang nan, gen leader politique avec ancien parlementaire. Et puis lors des sénateurs, ou joine toute base gang yo, c'est sa structure gang nan. C'est ça diagnostic là. Kou li a ki solution à problème nan ki n'a confronté a. Gon colonel là mek te fon discours nan Mipana, li dou konsa ke depuis au bay l'armée à la police, 3 hélicoptères de combat, 15 chars d'assaut. Je ne dis pas blindé, non, 15 chars d'assaut. Les chars d'assaut allaient la vin sous gang nan, avec mitraillette, quelqu'un n'a pas qu'à camper devant chars d'assaut. Nous avons besoin à peu près 500 mitraillettes, 50. Nous avons besoin de lunettes à infrarouge qui permettent que les policiers ou bien soldats de l'armée opérer la nuit, ils t'arrêtent en cours la journée. Question qu'on doit poser, c'est une analyse. Pour ça, dans 24 mois, il y a deux bagages que nous observons. Ce n'est pas vous et monter, son diagnostic. Le premier bagage que nous remarquons dans 24 mois, malgré la déclaration de l'armée à la police qui dit qu'il y a besoin d'hélicoptères de combat, il y a besoin de chars d'assaut, mais ça qui a besoin de pas dépasser 60 millions de dollars américains, ni blanc, ni gouvernement Ariel Henry qui n'a gang nan, menoté la police à l'armée pour empêcher de craser gang. Et puis, gros exemple clair que nous connaissons, que le gouvernement avec Blanc, pas avec l'institution nationale pour craser gang, nous sommes le 18 mai. Le 17 mai, il y a un mariage qui fait entre Bois-Calais et la police pour aller entrer dans le village de Dieu. Qui ça y est fait pour désamorcer le travail de la police avec le peuple dans Bois-Calais, il monte au cap à 900 policiers. Donc, dans le diagnostic, on est clair déjà. Il y a un entrée au niveau international. Kenya a dit que il parlait pour voler 1000 policiers. Techniquement, le gars de Kenya, on fait une analyse Kenya, qui dit qu'il voulait craser gang. Il y a plus de kidnapping dans le nord Kenya que dans le pays d'Haïti. Elle dit que dans Kenya, il y a un compte Marsabit avec Turkana qui est dans le nord Kenya. Qualité de kidnapping qui est dans la zone, ça a oublié ça. Il y a un tout dans Nairobi. Conseil de zone dans Nairobi, même si on pas rentrer dans le village de Dieu, la police pas rentrer dans la zone Sahel dans Nairobi. C'est moun Sahel qui a venu régler les problèmes gang pour nous. Absolument non, mon frère. Moi-même, je vous dis, c'est pour ça que je m'écris article, c'est pour nous protéger le pays d'Haïti. Kenya, qui a parlé là, tu as une épidémie là, Kali, de Ebola, de fièvre jaune. On dit que même les soldats népal qui étaient dans le ministère, la choléra qui touche 11 000 morts. Demain matin, nek sa vin avec Ebola, Marbou, avec fièvre jaune dans le pays. Qui est-ce qui va payer l'État haïtien pour nettoyer Ebola avec fièvre jaune? Et moun ki victime yo, qui est-ce qui va le dédommager? La première question. Nek yo te fait ka déjà sous femme, yo te fait ka déjà sous grand moun, yo te fait ka déjà sous ti moun. On dit que M. Saovini a fait ka déjà sexuel même avec ministre. Qui est-ce qui va le dédommager et qui va le permettre de une justice? Est-ce que ça a jugé sous place? Il a passé dans la prison sous place? Qui est-ce qui a payé réparation à la famille qui est victime? Si vous avez Ebola dans le pays, vous avez une épidémie dans le pays, numéro 1, c'est vous qui avez fait l'État haïtien pour nettoyer le pays de l'épidémie. Numéro 2, si Ebola rentre dans le pays, ils viennent tuer des gens dans le pays. Chaque victime a un ensemble de millions de dollars américains qui va le payer par les familles victimes. Numéro 3. Si les soldats ont fait Kadejak dans le pays, même si les soldats Sri Lanka ont fait Kadejak, même si les soldats Uruguay ont fait Kadejak dans le pays, et
c'est la justice haïtienne qui a jugé, par exemple, si aux États-Unis, si vous faites des gars des immunités diplomatiques, de retirer l'immunité diplomatique selon la Convention de Genève, deviennent le jour. Donc si vous faites pas déjà dans le pays, n'a pas jugé sous place, il n'y a pas de prison dans le pays d'Haïti. Et victimes, c'est pays de conseil de sécurité qui m'a dit intervention ça, qui va le payer victimes. Numéro 3. Negio, depuis qu'on fait tentative coup d'État, en dedans pays, automatiquement, on a fait des missions en dehors. En fonction de coup d'État, on a le fait sous Préval. Très bien. Vidéo à là, côté Préval avec expliqué ça. Très bien. Et numéro 4, on fait des soldats nous connaissent pas capillés des pays d'Haïti du tout. Qui est-ce que numéro 1, à cause de l'armée dominicaine qui fait génocide sous nous en 1937, n'est-ce pas, on va de jamais piler des pays d'Haïti. Numéro 2, soldats Sri Lanka, qui te fait cas déjà dans le pays, pas qu'à piler pays d'Haïti. Numéro 3, soldats Népal, qui te lagué et choléra dans le pays, pas qu'à piler des pays d'Haïti. Numéro 4, soldats Bahamas, qui contrase les eaux migrants haïtiens. Il y a deux soldats dans la zone qui toujours crasent les eaux, frère accès nous et Simon nous, comme migrants, c'est l'armée Bahamas. Avec l'armée dominicaine. Donc, si vous n'avez pas mené une politique raciste, vous ne savez pas faire partie de force multinationale. Tout le bagage, il faut qu'on discute très bien en tant que société pour demain matin nous pas dire si nous te connaissons. Parce que là, nous-mêmes, l'intervention que nous faisons, nous savons que le scénario durable et viable, c'est que nous montons une unité spéciale dans le pays qui a 3500 hommes, 2500 policiers. Avec 1000 soldats, unité spéciale ça, ballon entraînement spécial pendant 30 jours, remettre 3 hélicoptères de combat, remettre 15 chars d'assaut, remettre toutes armes qui ont besoin, mettre muscadin dans cette unité spéciale ça, muscadin, élément juridique, ça crase des camions de l'État, bail muscadin, 4 blanches pour l'opérer avec unité spéciale de 3500 hommes ça, muscadin. Garantie en 4 mois, c'est le plus comme migrant, c'est l'armée Bahamas avec l'armée dominicaine. Donc, si vous n'avez pas mené une politique raciste, vous ne savez pas faire partie de force multinationale. Là. Tout le bagage, ça, il faut qu'on discute très bien en tant que société pour demain matin nous pas dire si nous te connaissons. Parce que là, nous-mêmes, l'intervention que nous faisons, nous savons que le scénario durable et viable. Yo monton unité spéciale en dedans pays qui a 3500 hommes, 2500 policiers avec 1000 soldats. Unité spéciale ça a ballon entraînement spécial pendant 30 jours. Remettre yo 3 hélicoptères de combat, remettre yo 15 chars d'assaut, remettre yo toutes armes qui ont besoin, mettre muscadin dans cette unité spéciale ça comme élément juridique qui a dans le pays, bah muscadin 4 blanches. Pour l'opérer avec unité spéciale de 3500 comme ça, on va garantir en 4 mois vite l'homme innocent. Pas exister, ISO 5 secondes. Pas exister, allez ouais, sous monter unité spéciale ça de 3500 hommes, qui gagne 2500 policiers, 1000 soldats haïtiens, et puis peuple accompagné avec bois calé, en 4 mois nettoyer gagnant dedans pays. C'est yamé. Fini pour gagner. Mais comme tu dis dans le commencement, tout autant que le gouvernement qui n'a gagné, ou pas qu'à faire ça me sortir là. Ou pas capable. Pas de moyen. Donc là, pas de moyen. Depuis que le gouvernement qui est en gang, pas de possibilité pour faire ça. Et bravo avec Stanley Lika. C'est toujours des positions qui sont claires. Et c'est des positions arrêtées qui sont. Ça veut dire ça, il y a des vins d'amètre menade seulement. Et ça, bon position arrêtée, nous tout sauver. Nous tout sortir dans ça que nous trouvons là. Et son bataille cap continue. Sauf que me dit, opération Wash Maman, Wakale. Gaye kaka kidnapper a l'a continué. Moi mais nous en pile que mon Dieu nous pas ici. La police nationale prend gros disposition pour mettre sécurité dans pays a. Nous yon kokin chien mariage population avec la police fait. Yon lancé opération Wakale Wash Maman. Gaye kaka bandi.